Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo un peu spéciale. Je ne vais pas cuisiner, mais je vais vous montrer, on va poser la question, comment stériliser des pois à confiture. Parce que la saison arrive, l'été arrive, on va avoir des fruits, on va faire des bonnes confitures. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une confiture à la fraise. Et pour ça, il faut déjà savoir comment stériliser les pois. Et ça, c'est très très important si vous voulez garder vos confitures plusieurs années, voire plusieurs mois. Voilà, donc on va commencer. Allez, action, les gars. Pour stériliser les pots, vous faites bouillir de l'eau et vous mettez vos pots, on va dire bien les laver déjà avant les pots de confiture, hein. Et vous les faites ébouillanter dans l'eau chaude comme ça, voilà, vous laissez 3-4 minutes. Là je vais avoir fini, donc j'éteins ma poêle et je vais les égoutter sur un chiffon propre. Donc vous prenez une fourchette et attention pas bouche, vous ébouillantez la main surtout, vous la prenez et vous la mettez sur un torchon propre, voilà. Autant de pots que vous voulez. Là, on met la confiture dans le pot. Bien chaude surtout, c'est très important. Après, vous prenez le couvercle stérilisé. Voilà. Et vous retournez la confiture. Ça va stériliser en même temps le couvercle et le pot. La vidéo est très courte. C'est très important à savoir stériliser ses pots avant de faire des confitures. Voilà. Faites des gros bisous. Et puis à bientôt pour des confitures, ce coup-ci on va se régaler. Allez, bisous bisous, à bientôt, au revoir. Abonne-toi pour d'autres vidéos, tu verras, super.